Eh bien, bonsoir les gens, c'est Willy. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon Ultra Soleil. Je sais même plus à quel épisode on est, on doit être à l'épisode 28, 29, peut-être 30. Sacré Let's Play, hein, il commence à être un petit peu long. Dans le dernier épisode, on a combattu Necrozma au niveau de l'hôtel avec Lily. On a traversé l'Ultra Dimension afin de tabasser Necrozma. En version ultra la plus puissante et tout, on a dit que j'allais galérer, j'ai pris sa muraille, je lui ai mis 3 escarmouches, il a au moins fait le malin. Et maintenant, on a elle là, Oléa, la capitaine de l'île, qui est venue en détente et qui veut que je fasse son épreuve. Donc on va faire ça dans cet épisode. Comme ça décompresse un petit peu et après on verra où ça nous mène. Hein. Mais comme ça après je pense que je pourrais taper Poli, je pourrais aller faire la Ligue Pokémon et on aura fini l'histoire. Donc, qu'est-ce que tu me veux, toi? Ah bah, si t'es là, c'est que t'es prêt à passer à mon épreuve, n'est-ce pas? Oui. Bon, bah, on y va, alors. Alors, le contenu de l'épreuve, j'ai pas besoin de te faire un dessin. On se bat, tu vois. Ok. Elle a pas le temps, hein. Ah, j'ai oublié de dire... on a un Vemini maintenant dans l'équipe qui a remplacé Mentali. Donc un petit Pokémon type poison. Qui deviendra un grand Mandrillon à la fin du jeu. Mais j'ai bien envie de le tester. Donc pendant ce combat là on va essayer de jouer. L'épreuve fait. Ah bah parfait en plus pour Vemini. D'abord on va commencer un peu à taper avec Sarmurai. Allez, Aqua Brèche. Elle enlève Mistibule. Elle met Grand Bulle. Ok. Je vais continuer d'attaquer jusqu'à ce que je fasse un repli tactique. Allez, Aqua Brèche. Ok. Merci. Alors, Vemini, t'es niveau... Ah, niveau 40, hein. T'es un peu faiblard. Hein. Et vas-y, on va essayer de le jouer. On va tenter. Là, si je fais un direct toxique... Il me pète le cul. Ok, Vemini a un gros retard de niveau. Ça va pas m'aider, ça. Allez, je rappelle Vemini. Et là... Ébullition. Ok, il me défonce. Allez, Loup-Garrock. On va écouter Alessandro. Et là, je vais faire Vifproc. Pas mal. Mais il tape super fort son Pokémon, par contre. Vas-y, je vais tenter ça. Allez, Boomburk. Waouh, mais c'est quoi ça? Ok, c'est bon, il m'a saoulé. Allez, va coucher.
Misdibul, je switch. Mais Brutalibré. On va pas faire grand chose avec, mais on va essayer. Allez, pied voltige. C'est pas super fort. Hein. Je vais réanimer Oratoria. Ouais, je sais Drazik. T'inquiète. Allez, Oratoria. Ébullition. Mais d'où il me met KO aussi facilement? Je comprends pas. C'est abusé. Ah, il me gave là. D'où je prends. Je sais pas, ma team, j'ai l'impression qu'elle est devenue nulle d'un coup. Ils ont 0 de défense. Parce que je me fais exploser, je comprends pas. Genre là, si je me soigne, tu vas quand même pas m'envoyer me péter à moitié de ma vie avec une câlinerie. Je comprends pas. Bulle, ça a 120 d'attaque de base. Ouais, mais quand même, c'est abusé. Il a quand même un peu de bulk normalement, mon Pokémon. Et là, je me fais exploser. Rubombelle. Bah, j'ai pas trop le choix. Hein. Bah, je vais me re-soigner. Le combat est horrible, hein. Ça commence très mal cet épisode. Impact Choupinova. Ok. Ah, moi je vais mourir. Attends, un petit soin. Ah, pitié, c'est quoi ce combat horrible? Attends, je prends une guérison. Ou une potion max, c'est mieux. En fait, il manque un type feu, une tech feu. Ouais, bah j'avais... Comment il s'appelle? J'avais Ossature, mais il avait aucune attaque feu. C'était un Pokémon de feu qui ne savait pas utiliser du feu. C'était assez bizarre. Tiens, on va la jouer aussi un peu attaque Z, parce que là, ça commence un peu à m'embêter. Voilà.
Oh là là, mais ma team elle est poivre, hein, elle est fatiguée un peu. Eh bah, t'en as pas perdu ton temps dans le tour des îles. Alors, comme t'as gagné, je te donne un pétale rose. D'accord. C'est super chou, on est d'accord, mais attends, je t'ai pas tout dit. Il y en a 6 autres de toutes les couleurs. Le but, c'est de faire une œuvre multicolore pour avoir les autres pétales. Il faut que tu ailles défier tous les autres capitaines. Ouais, je sais, c'est censé être mon épreuve et tout, mais j'attends l'inspiration. Je suis occupé, tu vois. Ok, bah écoutez, on va aller faire tous les capitaines dans cet épisode. Ça fera un épisode peut-être un peu long, mais on pourra au moins s'amuser un peu. Donc je dois affronter, attendez. Alteo, type normal. Barbara, qui avait Neffy, j'en ai déjà 4. Chris, le moche, et il me manque un. Et Margie. Ok. Bah nickel, bah écoutez, on va y aller tranquille et on va cut à chaque fois jusqu'à ce que je tombe sur eux. Ok. Donc Alteo et... Oh! Un feu inferno. Eh, moi aussi je suis trop fier d'avoir battu Alteo, mais tu pourrais m'attendre quand même. Oh bah t'es là, Willy! Gladio m'a tout raconté. Alors comme ça t'as sauvé Alola. C'est trop la classe ça. Je suis content de m'être lancé dans le tour des îles avec un dresseur aussi balèze. Mais va pas croire que je vais te laisser toute la gloire, hein. Avant, j'y allais tranquille pendant les combats. Mais je réalise maintenant que, à force de me faire laver, ben, je passe un peu pour un guignol. Et c'est pas cool pour mes Pokémon. Eux, ils donnent à fond. Pas vrai, Fel Inferno? Donc, t'inquiète pas, moi aussi, je suis trop à fond. Ensemble, personne pourra nous battre. Et au fait, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est un max élixir, tu vas voir, c'est trop cool. C'est LE truc à utiliser quand t'es coincé dans un combat qui n'en finit pas. Bon, on se fera un vrai combat à sérieux à la fin de toutes les îles, hein. Et cette fois-ci, je me ferai pas ridiculiser. Pour être le plus fort, il faut comprendre ce que ressentent tes Pokémon. C'est pas évident, mais je vais tout donner pour y arriver. Ok. Alors, Alteo, t'es où? Il est là. Ah. Il est devant ses rangs morts. Et là, je vais mettre une petite raclée. Ouais, c'est amélioré, on peut lead avec. Après, je joue avec Brutalibré, Loup-Garrok. Vémini, si je sens que je peux le caser, je le case. Sinon, bah, tant pis. Salut, petite tête. Sympa, tous ces cristaux Z. Bon, un peu trop chic pour un tel accoutrement. Mais bon, je te pardonne. Après tout, je t'aime bien quand même, malgré tes fashion faux pas. Tu sais ce que je devrais faire? T'envoyer un stage chez ma mère. Elle a la classe. Elle est actrice, tu sais. Dans le milieu, on la se nomme la Baronne du Bon Goût. C'est à elle et à son sens inné de l'esthétisme que je dois cette fabuleuse coupe de cheveux. L'apparence et l'image qu'on projette sont d'une telle importance. Quand je suis devenu capitaine, je me suis dit que je devais me montrer digne d'elle. Enfin, je suppose que tu n'es pas venu me voir pour prendre des leçons de style. Ce serait trop beau. Allez, on se fait un petit combat pour voir comment tu progresses sur les autres fronts. Oui. Parfait. Faisons ça maintenant. Et après. J'ai ma mise en pli. Cette masse Christine Cordula. Ah, je pense, hein. Il a que 3 Pokémon en plus, oh le nul, eh. Alors, Escarmouche. Bang! Il perd déjà la moitié de sa vie. Moi, je tank. Là, j'enchaîne avec un coup bas. Même! Il n'a pas le temps de jouer. Et maintenant, vampirisme. Je l'ai démonté. Dodoa là. J'ai presque envie de jouer Vémini, mais je sens que ça va être compliqué. Mais on peut essayer. Allez, je tente Vémini.
Allez, on tente le coup. C'est quoi piège de venin? Ouais, c'est pas ouf. C'est une attaque spéciale, mais moi je suis en attaque normale. Allez, direct toxique et on verra. On improvise. Ok, il me one shot. Ok, bah écoutez, moi je pensais que Vimini c'était un Pokémon qui tankait bien, mais effectivement, je peux aller me faire foutre. Hein. Moi je mets 6 sur 10 qu'à Boutalibré et il est nul. Non, Boutalibré il est bien. Hein. Et type vol combat, c'est assez solide. Il a un move pool un peu moyen, mais en même temps, tous les Pokémon ont un move pool qui pue un peu dans ce let's play. Mais franchement, il fait le taf. Hein. Dans Pokémon X, dans mon let's play, il avait fait largement l'affaire. Voilà, il m'embête un peu, Dodo Ala, donc il va se prendre un pied voltige dans la tronche. Et il va dormir. Vemini monte au niveau 41, il va prendre Toxique à la place de Charme, ça peut être pas mal. Pampette verte. C'est pas très précis, hein. Non merci. L'Orior, on continue et on va mettre Lugarok. Allez, lame de roc. Bon, plutôt easy, hein, Altéo. Bravo, la victoire t'appartient. Tu as toujours un 0 pointé sur le style, mais niveau combat Pokémon, tu te défends plutôt bien. Pour la peine, je te donne un pétale orange. De toute façon, il ne me va pas au teint. Si j'ai bien suivi les explications d'Oléa, c'est le deuxième pétale que tu reçois. Je me demande ce qu'il se passera quand tu auras les 7. Bah écoute, on verra bien. Là, je vais aller choper Barbara et Nefi. Au fait, j'ai vu Tilly qui s'entraînait dur sur le sentier de Mahalo. Son goût vestimentaire laisse toujours désirer, mais il a drôlement gagné en puissance. Je t'accompagne jusqu'au capitaine suivant. Allez. En route pour la jungle sombre feuille alors. C'est toujours une joie d'aller à Akala. La jungle sombre feuille sera goût aussi spécial. Sans rire, je sais même pas ce qu'elle met dedans. J'ai beau me laver les dents 10 fois, il y a toujours un arrière-goût qui reste. Perk. J'espère que tu as l'estomac bien accroché. Tu m'as soigné en fait. Non, parce que c'est vraiment une grosse merde Altéo, je déteste. Eh ben écoutez, on va se soigner vite fait. Allez. Let's go. On va se faire Barbara et Nefi. En vrai, ce serait bien si je me fais 4 capitaines là et après les 3 autres. Ça pourrait être sympa. Ah! J'arrive. Oh. On en profite un petit peu, hein. Ah. Aromathérapie, j'adore cette capacité. Je me sens si détendu, j'ai l'impression d'être une fleur qui s'épanouit. C'est bon pour le corps et l'esprit. C'est vraiment une bonne idée de te laisser aller à ce point, Barbara.
Tu risques de te retrouver pris au dépourvu si un visiteur arrive à l'improviste. Genre Willy, par exemple. Willy? T'es là depuis quand? Oh, pas grave, je m'en fiche. Tu peux bien me regarder sniffer mes plantes. Je fais rien de mal. Je communiais juste avec mes Pokémon pour savoir ce qu'ils aiment manger. Je crois que t'es plus doué pour la détente que pour inventer des trucs, Barbara. Mais je te jure, tu me crois, hein, Willy? Ouais. Allez, on se bat. Mon équipe et moi, on est bien relaxés. Tu vas voir ce que tu vas voir. Genre Willy par exemple. Bah oui! Au hasard. Allez, ça va aller vite hein, avec elle. Regardez. Bang! Ah, il tank hein. Ok. Bon là je fais un vampirisme. Comme ça je vais leur perdre sa vie. Et je pense que je vais faire des coups bas après. C'est un combat de heal là, c'est à qui sucera le mieux pour gagner. Allez hop là, il me chope de la vie, mais moi j'arrive derrière et hop là, je la respire après. Et là, je suis malin. Il m'enlève un peu de vie, mais c'est pas grave. Là, son décéliande, il est type spectre plante, donc là il veut m'attaquer. Hop là, un petit coup bas. Et bang, il l'a pas vu venir, il est KO. Et sa armure monte au niveau 55. Lampignon. Oh, attendez, c'est type fée et plante ça. Si je mets Vemini, je peux peut-être faire un combat équitable. Vas-y, on va tenter le coup. Direct toxique. Oh, je suis pas rapide. Oh oui, là ça me fait rien. Ça fait quand même un peu mal, mais... Et voilà le travail. Oh, je le booste. Ouais, mais non, mais c'est nul. C'est bien de booster mon taxp, mais j'ai pas de taxp. Sucrène. Je vais mettre noix de coco. Allez, Bomberk. Faudrait que j'apprenne Bomberk à mon Vemini. Comme ça, avec le boost chimère, je pourrais faire un petit carnage. Ouais, c'est un peu nul. On va switch de Pokémon et on va mettre Brutalibré. Oh non, pas lui. Bah écoute, il est un peu faiblard, donc il y en a un que je le change, un de ces quatre. J'attends de voir ce qu'on me propose comme Pokémon. Durant l'aventure. Ah, il toque à un PV, sérieusement. Allez, demi-tour. Ok. Je fais attaque Z.
Nickel. Bon, ils sont pas trop compliqués à battre, hein, les capitaines. Lugarok monte au niveau 52. Non, les louches, t'as mis les petits plats dans les grands. Oh, j'ai perdu. Je crois que je vais me consoler auprès de mes Pokémon plantes. Tiens, ton pétale vert. C'est bien parce que c'est l'épreuve d'Oléa que je te le donne. Sinon, je l'aurais sniffé goulûment. Mais c'est pas du tout pour acheter ton silence, hein. Pas du tout. Allez, j'ai le pétale vert. Ça m'en fait 3. Et voici un pétale bleu. Saviez-vous que ce pétale a été dessiné d'après des écailles de fou sardine? Ah, elle se bat même pas, elle. Mais c'est nul. Voyons voir. Après nous, tu vas voir qui avait, c'est ça? On t'accompagne jusqu'au parc volcanique? Vas-y. Mais je vais peut-être pas le combattre. Eh ben, il fait toujours aussi chaud au parc volcanique. Cela m'a fait plaisir de faire un bout de chemin avec vous. Amusez-vous bien. Nefi, tu veux pas utiliser bulle d'eau avec ta rambule, histoire de nous rafraîchir un peu l'air? Allez, on va combattre qui avait en vitesse et après on s'en va. Hey, salut! Allo Layou, quoi surprise, qui suis-je? Un montagnard qui pue. Ah, bonne blague, ça fait plaisir de te revoir. Je suppose que tu cherches qui avait. Tu tombes à pic, il vient de rentrer. Merci de t'être occupé des lieux en mon absence, Sabio. Rigole, mon pote, c'est un plaisir. On a dansé comme des fous avec les assureurs. Ouais, c'était pour te tester, comme un baptême du feu. Vu tes progrès, je pensais te proposer de devenir capitaine. Vaudrait pas mieux pour un dresseur sérieux pour ça? Parce que moi, franchement, je suis un peu une burne, hein. Le reste, ça me barbe. Je vois. T'es là pour l'épreuve d'Oléa? Je suppose que tu brûles l'impatience de m'affronter. Allez, on se chauffe là. Allez, un 3v3, ça va être facile, hein. Je vais mettre Samurai, Lugarok, Oratoria et ça va aller vite. Ah, mais moi j'ai pas de sens de rotation, les gars. Hein. Je pense que vous l'avez déjà remarqué depuis longtemps. Je me perds tout le temps. Allez, à quoi brèche? Oh, je le tank étonnamment. Et là, il va prendre cher. Ok. Là, maintenant, coup bas. Et il est KO. Vimini monte au niveau 42. On va avoir un Flambusard. On switch. Lugarok. Et je vais tenter juste un vif rock. Je pense que je peux faire déjà beaucoup de dégâts avec ça. Parce qu'il prend x4. C'est bon, il s'est mis KO tout seul. Ossature, on switch et on va mettre Oratoria. Allez, Aria de l'écume et on n'en parle plus.
Ma danse n'aura donc pas suffi. Je reviens pas. Allô Layou, moi aussi je veux me battre. Magmar. Mais du coup je me suis pas soigné, non? Ouais, je suis pas soigné. C'est pas grave. Ça devrait aller vite. Hop, repli tactique, pas de soucis. Loup-garoc. Je joue comme un enfant de 6 ans, c'est-à-dire au hasard. Ouais, c'est ça. Allez hop, c'est fini, on n'en parle plus. Ce brave montagnard brûlé de t'affronter lui aussi. Eh, vous voyez, j'ai le rythme dans la peau. Je peux pas en empêcher de danser. J'ai un cousin lointain, il s'appelle Tierno. Willy, tu t'es bien battu. Pour la peine, accepte ce pétale rouge comme la braise. L'énergie brûlante du mont Wella coule dans nos veines. L'étape suivante de l'épreuve d'Oléa se déroule à l'observatoire. Je t'y accompagne? Oui, mais je ne vais pas me battre. Avec Dracofeu en Pokémonture, le mont Okulani est à portée d'elle. Passe le bonjour à Chris de ma part. Ah non, je l'aime pas Chris. Pour la peine, eh ben, je vais sauvegarder et je vais m'arrêter là pour cet épisode qui aurait été quand même plutôt bien fourni. Je vous dis donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans le prochain épisode, on ira affronter Chris et les derniers capitaines qui me restent à faire. Là, en vrai, je suis à quoi? Je suis à 4 pétales, donc il me reste plus que 3 pétales et peut-être la fin de l'épreuve d'Oléa. Un dominant, qui sait. Ça devrait aller plutôt tranquillement. Et bon, je préfère couper en deux pour faire des épisodes trop longs. Sur ce, je vous laisse là. Et à très bientôt.